Kitchenette, la musique côté obscur. Alors, on va commencer avec Kevin. Donc Kevin, l'organisateur de cet événement des Francofolies, l'événement Bambatriste. D'abord, pourquoi avoir pensé à la Bambatriste? Pourquoi organiser cet événement avec cette chanson-là et avec Pierre Billon? C'est une question. Pourquoi? Ah, pourquoi? Non, ben c'est dans... En fait, cet événement, la Bambatriste... tel qu'on a pu le voir sur le net, est organisé dans le cadre des Francofolies de La Rochelle, que je programme. Donc dans Francofolie, il y a Franco et Folie. Alors c'est plutôt le côté folie, hein, justement, mais aussi Franco, parce que Pierre Billon, au-delà d'être l'auteur de la Bambatriste, est un auteur reconnu dans la chanson. Donc c'était ce qui était rigolo un peu, au-delà du fait que moi c'est une chanson qui m'éclate depuis deux ans, depuis qu'effectivement ça surgit sur le net. Voilà, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est aussi bien de présenter le personnage Pierre Billon et l'auteur que effectivement cette chanson est. Et de se marier autour de ce concours où on a demandé en fait aux internautes de faire un remake du clip qui n'est pas d'ailleurs tout à fait un clip mais qui du reportage France 3 qui avait été fait autour de cette chanson. Voilà. D'accord. Et justement dans ce cadre-là, il y a eu d'autres événements similaires les années précédentes avec d'autres chansons également qui ont fait un buzz, ou bien c'est vraiment une première? Non, c'est une première. On avait fait des choses un peu plus intellectuelles. Enfin, encore c'est beaucoup de dire, mais on avait fait un hommage à Michael Jackson en sollicitant Kader Atou, qui est un chorégraphe en fait qui dirige le Centre national de la chorégraphie de La Rochelle. On programme aussi des artistes découvertes sur la grande scène pour le faire découvrir au plus grand nombre. C'est comme ça qu'on avait fait Ronan Luce par exemple il y a 5 ans ou 6 ans et qui avait permis de le faire découvrir juste avant Raphaël à plus de 10 000 personnes. Voilà, on a à chaque fois des petits événements comme ça, que ce soit aussi entre guillemets un peu dingo comme ça. Oui, c'est la première fois. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu? Enfin, ça se termine, je crois, le 27. Ils ont jusqu'au 25 pour envoyer leur vidéo. Le 27, jusqu'au 27 à 23h59. Juin, très précisément. Vous en avez déjà visionné pas mal jusqu'à présent. C'est quoi la tendance? Est-ce que ça ressemble un petit peu aux parodies qu'il y a déjà eu depuis deux ans sur Internet? Ou bien il y a vraiment des innovations? Ça va un peu dans tous les sens. Là, pour l'instant, bon, elles sont regardables sur le site du blog des Franco. Pour l'instant, on a 7 vidéos qui ont été fournies, on a plus de 16 inscriptions, donc on va peut-être en arriver à 20 inscriptions pour peut-être 15-20 vidéos fournies. Ça va un peu dans tous les sens, on a effectivement la reprise un petit peu quasiment image par image du clip, comme une nana qui a retravaillé la chanson et réécrit des paroles. Voilà. D'accord, reprise. Pierre qui décidera si c'est éligible ou pas. Vous n'avez pas encore vu, vous, les vidéos, un petit peu non, les nouvelles, justement, les nouvelles. Justement, moi, je vais faire en sorte de pas les voir avant, et je vais faire en sorte d'attendre que Kevin me dise, bon, ben voilà, on se retrouve et on regarde ça, parce que je pense que je le ressentirai de façon plus positive, plus rigolote à ce moment-là. C'est ce que je veux faire. Donc moi, je vais pas sur le net. Si, il y a tout le monde, mes potes, mes enfants, ma famille, tout le monde va regarder, dire, il y a tel nouveau truc. Mais on m'a parlé de cette fille, moi. Il y a des gens qui arrivent du Canada aussi, qui ont envoyé un truc du Canada. Exact. Ouais, ça va. Ouais. On les fera venir. Ça dépend, on verra. Ouais. Donc si j'ai bien suivi, donc il y aura 3 sélectionnés dans l'immédiat, et ensuite ils feront un buzz, et c'est au plus grand buzz, c'est le plus grand buzz qui gagnera, c'est ça? Exactement. Il y aura 3 finalistes qui seront choisis par Pierre et un jury. Et celui qui aura généré le plus de vues en fait sur sa vidéo sera convié de venir chanter la chanson avec Pierre sur scène, donc juste avant Philippe Catherine, le 16 juillet. D'accord. Donc c'était pour rester dans la thématique un petit peu. Alors Pierre, maintenant, donc ça fait à peu près 2 ans que la chanson tourne très très bien sur Internet avec justement plein de reprises. Vous êtes déjà plusieurs fois exprimé dessus quand ça a vraiment commencé à prendre. Avec le recul, maintenant, ça fait près de 2 ans. Est-ce que vous êtes toujours aussi étonné de tout l'engouement qu'il y a autour de cette chanson et de cette prestation télévisuelle de 83, 84, quelque chose comme ça? Bah écoute, je suis plus étonné encore qu'avant, parce que comme je croyais que, généralement, comme tu sais, les chansons en ce moment, elles se cassent la gueule en 6 mois, même pas, 6 mois après, t'en as entendu parler. Et le fait que la mienne, au bout de 2 ans, continue à intéresser le monde et continue à
à générer un certain plaisir. Franchement, ça m'étonne et ça m'émeut et ça me fait plaisir. Voilà. Récemment, j'ai été dans un truc où il y avait leur club, justement, il y avait un club Bambatrice, un club Carvillon. Et ben, j'étais très ému. Voilà. C'est, ça m'intéresse, je trouve ça formidable. Je continue à ne pas comprendre tout à fait. Quoi. Kevin explique assez bien pourquoi ça marche et pourquoi les gens trouvent ça marrant, intéressant et pourquoi ils adhèrent à la chanson. Mais moi, je continue à être dans un espèce de nuage brouillard. Mais enfin, c'est bon, je prends, hein, je suis ravi. Tout le monde trouve ça sympa et moi aussi. Hein, donc, et ça me permet de faire ce qui est quand même incroyable. Attends, faire les francopholies, c'est juste une folie. Parce que quand tu penses qu'il y a des mecs qui rament toute l'année, ils pleurent pour faire les francopholies. Parce que les francopholies, c'est quand même quelque chose d'extrêmement glorieux, glorifiant, magique. D'ailleurs, tu dis que j'ai fait les francos, c'est quand même pas. J'ai pas fait la fête de la bière, quoi. C'est un truc vraiment important. C'est énorme. Et puis dans la grande salle en plus. C'est absolument énorme, c'est même énorme dans le prestige. Tu dis, voilà, j'ai fait les Franco, c'est-à-dire que le choix de la programmation des Franco est un choix quand même assez pointu. Quoi. On ne peut pas dire que ça soit, ils ne choisissent pas des trucs de beauf à la base. Et le fait qu'ils m'aient demandé de le faire, je suis absolument ravi de le faire, ça m'amuse. Voilà. Et justement, vous-même, vous avez déjà fait plusieurs fois les Franco, déjà, dans quelle position vous étiez pour accompagner des gens ça, en tête d'affiche ça sera la combienième fois que vous viendrez au Franco cette année? Moi, j'ai toujours été en tête d'affiche avant que les artistes passent sur scène. C'est ma spécialité d'être tête d'affiche pour conduire la voiture, parce que je conduis vachement bien. D'accord. Pour, place du chauffeur. Pour s'il y avait un problème de sécurité, etc. Ou pour jouer de la guitare ou des percussions, des choses comme ça. Là, pour ça, je suis tête d'affiche. Mais dès que les mecs qui montent sur scène, je ne suis plus. C'est pas mon truc. En revanche, non, moi, j'ai jamais joué au Franco. C'est mon assos. C'est Jean Morin, mon assos. Lui, il a fait Obispo quand il travaillait avec Pascal. Lui, il a fait les Franco. Et moi, j'ai pas fait ni avec. C'est Carlos, tu m'as dit qu'il l'a fait ou pas? Je suis pas sûr. Non, mais j'ai toujours raté ça, malheureusement. Voilà. Et ça m'embête. Et du coup, le fait d'être sur scène également au Franco pour l'occasion, ça vous apporte quel sentiment? Le sentiment que si je vois les mecs applaudir, je vais toujours regarder derrière moi, voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui applaudit. Mais enfin là, cette fois-ci, comme je vais être tout seul, sensiblement, voilà, c'est pour moi. Mais je prends, c'est bon, j'accepte, tout va bien. Je suis content. Parfait, bon, on espère que vous serez nombreux en tout cas encore pour les quelques jours, voire les quelques heures qui restent à tenter votre chance pour reprendre cette chanson La Bamba Triste. Et finalement, Pierre, avec le recul... Quelle place maintenant elle a pris cette chanson dans votre carrière? Elle avait une place plus ou moins minime. Maintenant, est-ce qu'elle a un petit peu monté par rapport aux autres? Tu veux dire dans mon estime personnelle, voilà, de mes chansons, tu veux dire. Dans quelques années, après tout ce qui s'est passé autour de cette chanson, dans quelques années peut-être, lorsque vous regarderez un petit peu toutes vos chansons, est-ce qu'elle aura du coup une place un petit peu plus à part qu'elle l'avait avant? Ah ben c'est évident, elle aura même la place numéro 1. Numéro 1. Bah bien sûr, parce que je parle pas des chansons que j'ai faites ou que j'ai pas faites, ou j'ai écrites ou j'ai pas écrites pour les gens, ou les miennes à titre personnel, mais je pense qu'elle va être, et bien évidemment, ça sera un phénomène dingue. Je dis, quand t'as des gens au Monoprix qui te demandent de faire des autographes parce que t'es la bande batteriste, demande s'il te demande à toi ou s'il te demande au mec d'il y a 30 ans, mais quoi qu'il arrive, ça sera un point qui aura énormément marqué à la fois ma carrière, ma vie maintenant, parce que je me régale avec ça, je m'amuse beaucoup. Tant que je n'en fais pas une affaire commerciale, je répète, si j'en faisais une affaire commerciale à ce moment-là, ça m'amuserait moins, parce que comme tu le sais, dès que tu fais une affaire commerciale, il faut livrer, alors que quand tu ne fais pas une affaire commerciale, tu livres avec plaisir, tu vois, c'est la différence. Voilà. Donc tant que c'est comme ça, ça baigne, ça va, je suis ravi. Parfait. Et peut-être une toute dernière question, qui est votre entourage professionnel, peut-être les artistes avec qui vous êtes restés en contact, ils en pensent quoi de tout ça? Eux qui ont peut-être raté un petit peu la bande batterie à l'époque où c'était sorti, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? J'imagine qu'ils sont tenus au courant, ils ont dû voir la vidéo également. Bah écoute, j'étais à l'anniversaire de Johnny l'année dernière, et je suis arrivé, et c'était, mais je plaisante pas, c'était une folie furieuse. Là. D'abord parce que Johnny, lui, connaissait le titre, parce qu'il m'avait appelé de Saint-Barth en me disant « une bombe batteriste », etc. Et il y avait Catherine Lara, qui a longtemps travaillé avec moi, qui trouvait ça juste incroyable. Enfin, plein de gens. Et, alors, il y a eu le début foutage de gueule il y a 2 ans, et maintenant, c'est plus du tout foutage de gueule, parce qu'il y en a plein qui seraient ravis d'avoir 2 millions de... 2 millions de clics. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Merci beaucoup Pierre, merci Kevin. Clément, je ne sais pas si tu voudrais poser une petite question.
Oui, moi, alors, pour le coup, je pense qu'on a bien fouillé hein, la partie dans la lumière. Alors, moi, je voudrais savoir, ce que, justement, qu'est-ce que vous faites dans l'ombre ? Parce que, visiblement, c'est aussi l'essentiel de votre activité. Vous avez travaillé avec Sardou. Enfin, je voudrais bien que vous me racontiez Et votre actu, tout ça. Et votre actu hors bande battriste également, par la même occasion. C'est ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Eh bien, alors... J'ai continué à faire des chansons pendant longtemps. Quand j'ai arrêté de travailler avec Johnny, on a continué. J'ai été producteur de toujours Carlos, plein de gens, etc. Liza Minnelli, j'ai fait un album avec Liza, on est parti aux États-Unis le faire. Et puis, à un moment ou un autre, très honnêtement, la chanson m'a un peu moins amusé. Et donc, j'ai décidé de faire de la musique de télé, pratiquement. Et j'ai donc fait les jeux de télé, j'ai donc fait... tout ce qui est, par exemple, Française des Jeux, l'auto, le Dakota. Le Juste Prix aussi, je crois, de nouvelles versions. Juste Prix, c'est moi qui ai fait. Mais j'avais fait l'ancien aussi. Hein. L'ancien aussi. Donc ouais. C'était pour ça que j'ai fait une nouvelle remarque. D'accord. Tout ce qui était la gaffe, tout, les émissions un peu comme Slam, qui sont des émissions de crociverbistes, comme ça. Et c'est principalement la majeure partie de mon boulot. Et je fais régulièrement un artiste ou deux artistes par an qui viennent de cette fameuse tournée de la Française des Jeux que nous faisons tous les ans. Donc régulièrement, je fais un artiste ou deux artistes. D'accord. Voilà, et ça me plaît bien, c'est une musique qui me plaît. Et la musique de télé, la musique d'habillage, qu'on appelle musique d'habillage, me plaît infiniment parce qu'elle est extrêmement diversifiée et qu'elle fait appel à la fois plein de connaissances musicales et plein de souvenirs musicaux. Très bien, en tout cas, vous... Oui, Kevin. Et puis surtout, avant, tu as écrit aussi pour Michel Sardou et pour Johnny Hallyday. Ah oui, c'est vrai aussi, J'ai oublié de vivre, Femme des années 80, ouais. Sardou. Femme des années 80, j'ai oublié de vivre, je vole, plein de trucs. Et beaucoup de rock'n'roll. D'accord. Parce que c'est une question qui brûle les lèvres, quoi. Alors, comment ça se passe quand on travaille avec ces gens-là ? Est-ce qu'ils sont accessibles ? Quelle est leur manière de travailler ? J'imagine qu'ils sont tous différents les uns des autres. Mais ils arrivent à faire quelque chose qui fédère, quoi. Donc j'aimerais savoir, dans l'ombre, en fait, tout simplement, comment ils sont. Si on peut avoir une ou deux anecdotes, c'est génial. Bah écoute, comment ils sont dans l'ombre, au tout début de la collaboration, ils sont toujours formidables, parce qu'ils connaissent le plat que tu leur sers, mais ils ne savent pas comment tu le fais en cuisine. Et par la suite, souvent... Il commence à se mêler de la cuisine et c'est à ce moment-là qu'il faut quitter l'artiste et en prendre un autre. Mais ce sont des gens qui faut être assez malin pour se mettre dans leur peau au moment où tu travailles. Il faut être assez malin pour leur donner, comme c'est eux qui vont aller au combat et non pas toi, parce que en tant qu'auteur, compositeur ou producteur, parce que dans mon cas je suis producteur également, tu es c'est à toi de faire tout ce qui est bien, c'est-à-dire la moindre bonne sape, bonne attitude, c'est ce qu'il faut faire. C'est à toi de leur livrer à eux de façon à ce que le véhicule sur scène sont des fantastiques locomotives et donc il faut bosser dans l'ombre pour que eux soient dans la lumière. Voilà. Mais c'est notre métier, genre moi c'est un métier que j'adore. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé faire rire les gens. Dans l'ombre, de façon à ce qu'ils prennent la plaisanterie et qu'ils la portent en lumière. Voilà. En tout cas, pour redécouvrir Pierre Billon en pleine lumière, ça sera le 16 juillet, c'est bien ça, le 16 juillet. À la grande salle des Francofolies. Oui, c'est plutôt une grande scène en extérieur, là, devant 10 000 personnes. Pour la bande battriste et du coup, peut-être une ou deux autres chansons. On ne sait jamais, tant que vous avez le micro. La bande battriste. La bande battriste, à mon avis. Ouais. D'accord. Bonjour, c'est Pierre Billon, je me sens... Comme une bamba triste, comme une Marseillaise en mineur, je pars un flûtiste autodidacte, sans tact. Et voilà. Bravo. Et la même chose avec Bamba Kitsch, parce que en fait notre émission c'est Kitsch et Net, peut-être. Donc ça fait le petit clin d'œil. Mais la même chose, mais un peu. Kitsch et Net. Voilà. Je me sens comme une Bamba Kitsch. Et vous rajoutez Net si vous voulez, mais vous pouvez le parler, hein, si c'est peut-être plus facile en le parlant et alors pas en chantant. Je te refais la fin, vas-y. Comme vous voulez, sinon en parlant, hein, comme vous voulez. Alors, 3, 4. Je me sens définitivement comme une bamba kitsch. Définitivement comme une bamba kitsch. Et c'est Net en plus. Merci beaucoup Pierre, merci Kevin. À bientôt dans Kitchenette. Kitchenette, la musique côté obscur.